Salut tout le monde, c'est Cacahuète. Aujourd'hui nous sommes. Et neige. Tu viens, neige? Oui, vas-y, Marmaou. Ben viens. Alors, aujourd'hui c'est ici Monsieur Cacahuète et neige. Aujourd'hui nous sommes vendredi 17 juin 2022, il est déjà 7h39 du matin. C'est peut-être un peu tôt pour de la Red Bull, mais ça faisait un petit moment que j'avais cette canette dans le frigo et j'avais envie finalement de la tester aujourd'hui. On va goûter ce nouveau goût. Donc c'est une saveur pour l'été, donc une édition limitée certainement. L'année prochaine, ce sera autre chose. C'est la Summer Edition goût abricot fraise. Alors le mélange doit être intéressant. La canette est de couleur orange. Ça doit pas être mauvais. C'est parti. Alors c'est bien frais, c'est rafraîchissant. C'est pas mauvais, mais c'est un petit peu sucré. Le problème, c'est que la fraise à la base, c'est un fruit quand même assez sucré, un petit peu pétillant. Mais là, en boisson, c'est peut-être un peu trop sucré. En général, le sirop de fraise, j'ai un petit peu de mal. Après, l'abricot est un fruit un peu plus doux, donc ça adoucit. Le mélange passe pas trop mal. Après, c'est peut-être pas le goût le plus frais pour l'été quand il fait chaud. Il y a d'autres parfums qui ont l'air intéressants, comme Fruits Dragon en ce moment, je crois, il me semble, la canette doit être de couleur verte. Il faudrait que j'essaie de les trouver pour les tester. C'est pas mauvais. C'est pas la meilleure Red Bull, mais c'est pas mauvais, ça se boit. Voilà, c'était la Red Bull Summer Edition. À très bientôt. Au revoir.